Je sais bien qu'il me faudrait faire quelque chose de cela, comme de tout. Faire quelque chose de ma situation, qu'étant dans l'impossibilité d'écrire, avec ce bras accroché à moi quasi mort, et donc sans bras, parce que le seul qui me reste ne me sert qu'à peine à ouvrir une porte, et pas du tout à taper à la machine, oui, avec cette seule main gauche, rien ne passe de la pensée à l'écran. Écrire m'est impossible sans le geste, contraint de dicter le moindre des messages et le faisant donc le moins possible. Je me trouve aussi dans l'incapacité de répondre au monde, comme d'en répondre. Alors, je regarde. Non, décidément, je ne ferai rien de ma condition empêchée. Je n'en tirerai rien, ni bénéfice, ni plus-value. Alors, je regarde. Et cette situation redouble celle qui me laisse sur les rivages de ces jours, désarmé et impuissant devant les massacres. Ainsi, chaque feuille qui vibre est un événement et il fait honte aux autres. Chaque ombre n'est que l'ombre portée d'autres qui s'efface. Ce qui explose sous chaque bombe ou dans chaque parole tenue au nom du peuple français comme une insulte, comme si, réduit à l'état de regard, je ne dis pas de spectateur. Je m'étais tout entier aboli dans cette fonction devenue un organe. Et je regarde, sombré, la réalité sous le ciel orange et bleu qui vibre cette nuit par-dessus la Palestine agonisante. Tout ce qui meurt et ne se lèvera plus. Oui, regardez de toutes mes forces les images, les paroles, pour en arracher des forces malgré tout pour plus tard, comme si dans les images et les mots se trouvaient non pas tant l'antidote que cette énergie du désespoir qui sera un jour ou l'autre renversée, un jour et l'autre. Alors, je ne cesse pas de regarder et de tenir silence, comme on tient la parole.